dû peut-être m'arrêter avant. Enfin, je crois que le cap, c'est 120, un truc comme ça, ou 100, moins peut-être. Enfin, après, j'ai pas envie de combattre des gens sans, parce que c'est chiant le PVP après. Enfin, peut-être que je refasse mes stats. D'une façon ou d'une autre. On peut mettre une magie. Non. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que le son est bon? Peut-être un peu fort. Hein. Il nous reste à faire. Ah oui, il faut mettre le calice. Je crois. Toi, je t'aime pas. Hello. Hello. J'ai pas sauvé ton pote. Je sais pas si j'ai la clé non plus. Ah oui, la clé, on m'avait dit, on m'avait rappelé, c'était... Paroisse. On va voir. Je vais faire le tour vite fait, on va voir ce qu'on fait. Soit par là. Soit... Si, c'est par là. Bah, profite du soleil. Alors, est-ce que je vais, moi? Putain, je prends le long chemin en fait. Oh la vache, quel con. Non, faut descendre. Je fais n'importe quoi. Je vais aller voir le marchand en fait. Non, pas là, milieu. Est-ce qu'il est beau ce cadavre? Alors, c'est combien ça? 2000. Ah, t'en bouges pas.
Ouais, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Après, on peut le tuer pour récupérer le katana, mais j'ai pas vraiment envie. Pourquoi qu'on pourrait? Pourquoi t'as une lumière bleue sur toi, sous toi? Pourquoi cette lumière bleue? C'est un reflet en fait. C'est quoi, du pétrole? Maintenant, on va sauver l'autre idiot. Je fais tout dans le désordre, je sais même pas si ça a marché en fait. J'aurais pu passer par le raccourci. J'étais encore plus proche. C'est pas grave. Par là. Non. Non, c'est pas par là. Oh mon Dieu. Merde. Non, si, c'était bon. Oh, je perds la tête. Si, c'était le bon chemin. Hors de ma vue. C'est là. Hello. C'est bon. Ok. Ouais. On va voir maintenant si ça a activé la quête ou pas. On a sauvé l'autre en premier, je sais pas si ça a marché. Oh, hello. I regret meeting you under such comp at least. Oh, hello. I was waiting to tell. And he tell what he's just. Ah, il est content. Oh, hello. And... Je vais pas me vendre des trucs. Hello. Sinon on m'a dit pour Quelag en fait, pour la faire apparaître, il faut... Non, c'est pas Quelag. C'est la sœur là. Il faut, avoir la... La main en feu niveau 10 là. C'est comme ça qu'elle apparaît. Ok, bon bah ça c'est fait.
J'ai envie de descendre dans les trucs maudits là. Ça va être marrant ça aussi. Ça va être sympa à faire, je pense. Genre on va enlever l'eau et tout. De la nouvelle Londo. Il y a l'autre qui doit être une carcasse par contre. Sûrement. Ouais. Tu me laisses rien du tout ? Franchement, cet endroit est tellement bien fait. Oh, d'accord, là on voit le... C'est quoi? C'est un rayon de soleil qui est droit, vertical, comme ça. C'est moche. Non mais cet endroit est super bien fait, j'aurais bien voulu que ça soit... vraiment refait au maximum, quoi. Parce que l'ambiance est vraiment cool. On va voir si on peut pas récupérer des objets, ce serait cool. Là, je vais sûrement tomber, comme d'hab. Ce qui est bien, c'est qu'on les one-shot, donc ça va, on est tranquille. Faudrait bien qu'ils me droppent leurs armes, ce serait cool. Toujours maudit. Il me drop que dalle les trucs. Ah, même les gros ont les one shot, c'est cool. Y'a rien en bas.
Pouf. Oh la vache. Oh mon dieu. Oh putain, je peux plus bouger. C'est tout ce qu'il y a. Évidemment. Ah, il faut récupérer la clé de l'autre, c'est vrai. Exact. La malédiction reste extrêmement longtemps. Je pensais pas que... Ouais, je pensais plus que c'était aussi longtemps. C'est quoi, 10 minutes ? Énorme. T'es Saphir. Ça. Tombe pas, merci. Ah, oh. Yes, ok. On est avec les fantômes. Ça y est, j'ai plus la malédiction. Ouais, je me suis mis l'anneau exprès pour voir si je peux pas avoir l'arme. Leur dague là. Mais bon, pour l'instant, ouais. Faudrait que... Ah, faudrait que je prenne des humanités aussi. Oh merde. Super timing. Super timing. Ça augmente le taux de drop aussi. L'humanité. Ah. Non. On a combien? C'est où le taux d'apparition? De 350. Je sais plus à quel... 358... 365. Je sais pas le cap, je me rappelle plus du cap. Je crois que ça doit être 10, un truc comme ça. Je crois que c'est 450 le max. Oh waouh, super. Le bruit des os. Bon, plus personne. Je me rappelle plus de ce qu'il drop lui. Sûrement rien d'intéressant, mais. Peut-être son catalyste. Sûrement son catalyste, c'est une sorte de bâton qui fait de la magie aussi, je crois.
Bon, par contre, pour récupérer les objets quand tu tues les trucs dans les murs, ça c'est un peu plus risqué, par contre. C'est un peu plus dur. C'est pour ça que c'est chiant ces fantômes. Ah. Ah. Merde. Ah. Oh la vache. Je l'ai fait un peu trop tôt le saut. Ça y est, on y est. Je pensais qu'on allait avoir besoin de beaucoup plus de malédiction ou la fugace. Au final, non, pas du tout. Alors, est-ce qu'on garde ça? Ouais. On peut avoir des tablettes de titanite, je crois, donc. Toujours un mec qui vient nous accueillir? Ouais. Le cancer! Yeah, éclat, cool. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est ça. Ouh. Le bruit que ça fait, ces trucs, quand ça marche, putain. Ah ouais, maintenant on fait comment? Je passe. Poussez-vous. Ah. Il y en a une qui s'est suicidée apparemment. Il faut une torche dans ce jeu. On a la lampe, mais bon. Une torche aurait été classe, comme dans le 3. C'est des Drake, quoi. Électrique. Merde, trop tard. Oh la vache. Oh la... Ok. Merde. La roulade a mal été faite. Mal faite la roulade. Oh. Disparaît, preuve dans toute perte. Ah non, je peux passer par... Par où je peux passer? Non, si, par là.
Ouais, je voulais faire une roulade vers la, la cabane, là, vers la porte en fait, mais. Quoi ce bruit? On aurait dit des boules de feu. Du coup, on va passer par là. Je pense. Ça, on n'a pas besoin de repasser par le haut. Faudrait le tuer lui aussi. Mais bon. Ça va prendre du temps. Et le temps, c'est des âmes. Non merde, me fais pas tomber. Hein. Oh putain, oh la vache. Non! Oh la vache, je suis bloqué par l'aile! Quel jeu de merde! Oh le con! Putain, arrête! Faut que j'arrête de lock moi! Tu fais quoi là? T'es pas censé être là. Oh mon dieu, oh mon dieu. Je fais de la merde. Je vais arrêter d'essayer de parer parce que là... Terrible ce drac. Normalement ils sont pas censés venir là, hein. Ils sont censés s'arrêter à la porte. Comme tous les autres. Mais lui apparemment il s'est dit eh, je vais pas obéir aux règles du jeu. Et cette fois je vais me partir en vadrouille. Du sang noir. Oh là. Il a activé son bouclier, le bouclier reste. Par contre, ça fait chier ça.
J'aime pas les combattre au corps à corps. Ah, on entend toujours le drac de l'autre côté, c'est bien. Oui. Ça fait le même bruit que le boss dans la cathédrale dans le 3. Ah oui, oui. Ouais, c'est les mêmes bruitages. Ouais. Ah, ils font un peu comme les Resident Evil, ils prennent les bruitages qui sont bien connus et tout, et ils les réutilisent à chaque fois, c'est sympa. Pégule. Ah. Il y a une braise à prendre ici, mais je me rappelle plus d'où elle se trouve. Je crois qu'il y a des fantômes dessus, non? Bah voilà. Elle est là. Donc là, on peut aller jusqu'à 15. C'est une des braises les plus importantes du jeu. Ça va où là? Ça monte. Oh merde. Oh merde, c'est là. Non, ah non, hein, c'est pas bon là. C'est pas... mauvais côté du... des voisins. C'est pas bon. Je voulais pas y aller. Là, ça va ouf. Ah ah, voilà. C'est bon. Non, l'autre côté. Gul, non, ne meurs pas d'allergie. Si je me rappelle, il y a un mec là. Non, c'est pas par là. Par où? Un peu plus loin. Ah. Où vas-tu? Oh la va... Non, pas la roulade. Pas la roulade devant le mec. Oh wow, ok. Je vais arrêter, je vais... Il me faut ma balance. Veux-tu venir, s'il te plaît? Tombe. Ah ou pas.
Merde. Combat d'autiste. Voilà. Je déconne. Blague, blague. Là, on a notre truc de gardienne du feu, ça? Non? Ah non, c'est un mec là. Moi. Je crois que c'était un esprit. Enfin, un esprit. Une âme de gardienne. Ah, c'est là le puits. Enfin, le puits. Là, il y a le mec. Un esprit qui vole au-dessus. Stressant. Très stressant. Alors, viens ici, toi. Oh, merde. Waouh, que cool. Ça me rend fou leur délai. Ah. Qu'est-ce que tu es, monstre ? Qu'es-tu ? Ah. Normalement là il y a l'autre là. Il y a la sorcière. On fait la Ah, il faudrait qu'on soit humain. Ah. J'ai envie d'utiliser la sorcière. Ah oui, mais on n'a pas l'anneau de d'Artorias, c'est vrai. J'ai oublié le détail, on n'a pas l'anneau d'Artorias. Donc on va avoir un problème. Bon, en tout cas, on a fait la zone. On peut partir. Zone complétée. Il n'y a que le boss à faire. Ça.
pourrait faire le DLC. Ah mais faut Non. Parce que je veux passer en fait dans le serment des Dark Wave là ou je sais pas quoi. Donc il faut aller récupérer l'anneau d'Artorias et faire ce boss là. Ouais. D'abord on va aller donner la braise à, au forgeron. La tablette, ça on le fera pas. Ok, maintenant Artorias. On peut se téléporter au... C'est con qu'on puisse pas se téléporter au... à tous les feux. Ah la vache. Attends. Campé de l'Est. Je savais pas que l'équipement de l'Est avait de la balance. Ah oui, non, oui, c'est des armures lourdes, ça. J'ai rien dit. Maintenant que j'y pense, c'était quand même extrêmement utilisé le coup du, de l'invincibilité quand on... Quand on se relève en fait dans le premier Dark Souls comparé aux anciens. Comparé aux... aux nouveaux. Genre à chaque fois qu'il y a une animation... la blague. À chaque fois qu'il y a une animation, on peut pas faire de dégâts, c'est chiant. Shiva qui est parti. Je sais plus où il est, Shiva. Quand il se téléporte la première fois. Quelqu'un sait? Il est pas où il y a Quelag. Ah putain, mais je veux pas combattre. Je veux juste faire mon boss. Pas chier. Pour une fois.
Il y a un Sunbro. Sunbro. Cake. Mine. Comment il... Lui, on l'invoque. Je veux voir comment il combat, lui. Apparemment, il fait de la magie. Oh là 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 là. Il roleplay le mec, il fait le signe et tout, c'est beau. Apparemment, ça a l'air d'être juste une sorte de ninja en fait. Après, je vais tuer ton maître. Waouh, tu commences bien, toi. Bah, moi aussi, tiens. Ah, il a la Chaos Blade, je crois. Ouais, il y a la Chaos Blade. Enfin, je pense. Mais attends, je peux même pas faire de... Ah, je pouvais pas faire des mottes. Alors ça c'est bon. Traverser les abysses. Bah voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a des objets à chaque fois maintenant. C'est un nouveau truc de la du remaster. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que j'invoque quelqu'un, enfin ça fait deux fois là. J'ai invoqué deux personnes et après j'ai un objet. C'est bizarre. Genre une récompense. Profond. Où est-ce qu'on va du coup? Ah, on retourne à l'Ichefeu. On retourne à l'Ichefeu. Bizarre ce truc, ce système là de d'objets comme ça là, par terre. On va faire le boss le plus chiant du jeu. Par contre, je vais aller tuer des trucs vite fait avant, vu qu'on y passe. Je veux tuer ces merdes là, je veux récupérer le club en fait, leurs armes. Ça, je vais l'utiliser pour le PVP. Sauf si c'est de la merde, enfin si, on verra.
Merde. Ouais, je veux le club pour parce que ça fait poison et je veux une arme qui fasse poison en fait. Mais une arme force qui fasse poison. Ça, c'est pas mal. Je sais pas où on peut le... Je pense pas qu'on puisse l'acheter, je crois que c'est juste un drop. C'est le cas de le dire, c'est ça. Par contre, je vais voir s'il n'y a pas... comment il s'appelle, l'autre con, là, le... Shiva. Shiva de l'Est. Je crois savoir où il est. Lâche-moi. Je descends sans me suicider. Ah, oula, je suis bloqué pendant une seconde. Ah, il est en dessous. Ouais, je le vois. Ok, parfait. Yeah, j'arrive, Shiva. Devant moi, parce que lui, il vend des armes qui sont uniques. Enfin, pas uniques, mais c'est où lui les vend, ou alors il faut les récupérer de monstres, et c'est très chiant. Hello again. Alors, fais voir, emote. Alors... Ça... Flamberge, pas mal. Spadon de pierre, la machette... Badler... Non, Badler, j'en ai déjà une. Et Lushigatana. Le Nodashi, la grande hache de démon, il faudrait, et les griffes aussi. Oh putain. Attends deux secondes, hein. Il est là, ton pote. Par contre, je sais plus où il va après. Hein. Je sais même pas si je peux. Je sais plus s'il attaque, hein, s'il nous attaque après quelque part. Je me rappelle plus. Quelle arme t'intéresse, Saphir? Right then. Ah, mais je l'ai! C'est celui-là, non? Casse-tête? C'est celui-là qui fait poison? Ouais, c'est ça. Ah, c'est cette attaque que je veux. Je veux voir ce que ça donne en PVP, en fait. On verra. Par contre, c'est un truc que je vais tester, c'est la flamberge. C'est quoi ça exactement? Je me rappelle plus. Ça fait saignement, c'est surtout de la dex. Rien de spécial. Ah, pas mal ça.
Ouais, c'est beaucoup de mouvement pour pas grand chose en fait. Qu'est-ce que c'est horrible pour changer d'arme quoi. L'anneau. Il est où l'autre? Je sais qu'il y a le mec qui est devenu une carcasse aussi, il va nous attaquer. Ah, il est là-bas. Il va falloir que je m'habitue à taper avec par contre. Mais on verra ça plus tard. Yo, John, tu viens? T'es dans le poison. Ça te fait tomber ça ou pas? Pas mal. Voir si je le fais sans. Oh putain de. Yeah, je peux. Je peux cibler en fait. C'est pas mal. Genre hop. Allez. Pas de drôle en PVP. Pas de drôle. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Tu l'as tué. Ah. Hop là. Après il y a la lance qui est pas mal aussi. Pas mal, pas mal. Elle fait poison celle-là ou pas? Non. Waouh, précision. Ouais. Ouais. Bon, c'est fini. Merde, c'est où le feu? C'est droite ou gauche? Non, c'est là-bas. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un reflet en fait, d'accord. Je crois que c'était un objet. Là, c'est un objet, par contre. Ouais, pour PVP, on va. Je vais essayer d'utiliser cette masse. Nuage empoisonné, capuche. Essayer d'utiliser cette masse et. Les pyromancies toxiques et poison. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne.